Un jour, c'est la classe. On nous dit à la télé que dès lundi, il n'y a plus classe, une durée indéterminée. Quel cadeau inespéré, de belles vacances prématurées, à une seule condition tout de même, il faudra rester confiné. Ce mot je ne le connaissais pas, mais je l'ai très vite adopté. Imaginez la liberté de prendre le temps de se coucouner, rester chez soi, ne pas se lever, se prélasser devant la télé. Le confinement c'est prendre son temps, c'est apprécier les doux moments. À la maison, pendant que les soignants sont au front, qu'ils se battent sans relâche pour nous ouvrir un horizon. Nous restons à la maison à éplucher toutes nos leçons, en attendant que cet orage se fatigue de ses ravages. Tous les soirs à la fenêtre, à 20h, c'est leur fête. On applaudit les blouses blanches, les caissières et les ambulances. Toutes celles qu'il faut prendre les choses au sérieux, tous ensemble nous y arriverons, et Corona tu seras marron. Au début c'est sympa de faire l'école à la maison, mes parents enseignant les récrés dans le salon. La maîtresse nous emmène pas à pas dans nos leçons, et j'appelle tati et mamie. Cela bien moins long et plus de récréation. De temps en temps je me surpasse, c'est moi-même qui fais la classe. On fait le plein d'activités, tous les jours on est régalé. Avec les devoirs on garde espoir, et c'est toujours ça de gagner. Nous luttons à la maison pendant que les soignants sont au front, qu'ils se battent sans relâche pour nous ouvrir un horizon. Nous restons à la maison à éplucher toutes nos leçons, en attendant que cet orage se fatigue de ses ravages. Tous les soirs à la fenêtre, à 20h, c'est leur fête. On applaudit les blouses blanches, les caissières et les ambulances, toutes celles et ceux qui se souviennent qu'il faut prendre les choses au sérieux. Tous ensemble nous y arriverons, et Corona tu seras marron. Commence à prêter l'école, c'est un peu comme une camisole. Mon nouveau pote c'est mon ordi, mais ça ne remplace pas les amis. Le confinement ça a du bon, mais je trouve le temps bien trop long. Pour nous ouvrir un horizon, nous restons à la maison à éplucher toutes nos leçons, en attendant que cet orage se fatigue de ses ravages. Et quand ce sera terminé, j'irai dehors, je pourrai crier, je fêterai mon anniversaire. Et tant pis si c'est pas le jour, j'en fourcherai ma bicyclette, et je chanterai à tue-tête en allant voir mes grands-parents, mes amis plus tôt.